Salut tout le monde, c'est Darkboy et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau jeu de la semaine. Donc cette semaine, le jeu de la semaine, c'est Raze 2. Donc je vais vous en parler un peu après, mais d'abord, on a une info qui, pour vous, est très importante, pour Future Imaginity surtout, qui est en fait que le cofondateur de Future Imaginity, donc Patouf, mon ami, eh bien, malheureusement, il a décidé d'arrêter de gérer Future Imaginity, du coup il m'a laissé tout seul pour le gérer. Ça, c'est fait sans encombre, ne vous en faites pas, et en fait, il l'a quitté, parce qu'il l'a dit sur Discord aussi, il l'a quitté pour se concentrer sur ses études, donc voilà, bonne chance à toi si tu passes par là pour tes études. Voilà. On va passer au jeu en tout cas. Alors, pour le jeu de la semaine, qui est Raze 2, c'est un jeu de tir en fait, où on incarne un personnage, il y a des aliens, on doit tuer les aliens. On a plusieurs niveaux, on évolue au fur et à mesure des niveaux. À chaque niveau, on a besoin soit de points, soit d'un certain nombre de kills pour pouvoir débloquer le niveau suivant. Ou alors, il faut, genre par exemple, il y a un niveau, le niveau 10, où genre, on est un humain contre un alien qui régénère à chaque fois qu'il meurt, comme nous. Et en fait, on a tous les deux 10 vies, et puis la créature qui arrive à 0 vie perd. Donc, si le joueur, si vous arrivez à 0 vie, vous perdez, et vous devez retenter le niveau pour le refaire. Sachant que ce niveau-là, le niveau 10, c'est vraiment... Les entités sont plus compliquées que les autres niveaux, mais je vais vous montrer, de toute façon, j'ai débloqué quelques niveaux en avance, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Sachant que d'ailleurs, le jeu, j'y avais vraiment beaucoup joué dès que j'étais enfant, et du coup, en fait, je m'en suis rappeler, vu que ça fait genre 5 ans à peu près que j'ai pas joué. Du coup, voilà, je vous présente ce jeu Raze 2 qui est magnifique et sur lequel j'ai passé beaucoup de bon temps. Donc, c'est parti. Ok, donc là on se retrouve sur Google, donc vous allez taper Raze 2 pour le jeu. Vous allez trouver plusieurs pages, donc moi la page que j'utilise et que j'ai utilisée c'était The Best. Il y en a d'autres, mais j'ai testé hier, il y en a des fois elles fonctionnent pas forcément, donc essayez de voir, à la limite prenez celle que je vous donne, quoi. Donc voilà, on est ici, ensuite vous allez jouer, donc jouer plus tard, je sais pas à quoi ça sert. Et là on arrive ici, et là vous avez juste Adobe Flash Player activé. Donc voilà, c'est sécurisé, et d'ailleurs il a une note plutôt pas mal, 17,07. Donc voilà. On est devant le jeu. Je vais essayer d'adapter la fenêtre pour qu'elle soit bien. Pour... Voilà. On a fini l'écran de chargement. Donc c'est juste une barre. On appuie sur play. Et voilà, on arrive ici. D'ailleurs, en parlant de qualité de son, c'est un truc à part, mais c'est juste pour le micro. Actuellement, vous avez une qualité différente d'avant, donc dites-moi si c'est mieux ou pas. Alors, du coup, là, on a Armor Games. Donc ici, vous avez de quoi avoir un login Armor Games pour sauvegarder vos parties. Et là, du coup, c'est pour s'enregistrer, voilà. Donc, ça ouvre une nouvelle fenêtre sur laquelle on peut s'enregistrer. Du coup, on fait la croix, vu qu'on va pas s'enregistrer. On a campagne. Donc, Quick Match, ça, c'est pour jouer en multijoueur. Donc campagne, vous avez humain ou alien, ça c'est la partie après, vu qu'il faut compléter la partie humaine pour la débloquer. La partie humaine, on a 15 niveaux, donc là vous avez à chaque fois, là par exemple, gagner le niveau 12 pour débloquer, donc c'est pour le niveau 13, il faut gagner le niveau d'avant d'abord. Donc là on a par exemple, on sélectionne donc le 12, on a type de match, donc élimination, on en a d'autres où c'est domination par exemple. Et on a des parties comme ça, donc élimination, il faut tuer un maximum d'aliens en fait, ou alors il faut tuer tous les aliens sans qu'on meure, sans trop mourir nous-mêmes. Domination, il y a des points en plus avec les voilà, c'est les endroits où il y a marqué points à gagner. Dès qu'on tue des mobs, enfin des aliens, on peut gagner des points. Et dès qu'on capture les drapeaux, on va aussi gagner des points. Je vais tout vous expliquer. Donc d'abord, on va passer sur le tuto. Donc ça, c'est simple. Voilà. Donc là, on a une petite intro. Bon, je vais pas vous la lire non plus. Parce que bon, déjà, vous avez remarqué mon niveau en anglais. Ceux qui sont sur la chaîne Darkbow. Et puis c'est des cinématiques. Comme quoi, la Terre a été envahie par des aliens. Donc là, c'est les touches, les flèches. Voilà, c'est marqué ou WASD. Pour se déplacer, là c'est la souris. Clic droit, bon bah ça fait comme sur un site web normal, donc le faites pas. Clic gauche, ça tire. Là on n'a pas d'arme. Donc là, double jump, vous faites jump et vous rappuyez sur jump. Donc c'est la flèche du haut, double flèche du haut. Et d'ailleurs, si vous, même si genre là, hop, là voilà, je peux quand même faire ma propulsion. Faut pas forcément sauter pour pouvoir la faire. On peut la faire alors que en fait on tombe d'un bloc par exemple. Donc vous avez des moyens de vous sauver s'il y a de la lavande sous par exemple un peu.
Donc, la météorite qui tombe. Et parfait. Alors, là, je connais ce qu'il faut. Il faut prendre la vie déjà. Voilà, et ensuite, il faut aller juste là. Donc là, c'est pour s'armer. F. Voilà. Donc là, on va devoir viser ici, clic gauche, et voilà, c'est bon. On tire. Donc là, on a une autre arme. Donc là, c'est les touches. Vous voyez en bas, là, les numéros. En fait, ça correspond aux touches de votre clavier. Les touches où il y a le 7 avec le E accent grave, par exemple. Ou le 3 où il y a le les guillemets. C'est cela, c'est pas les numéros à droite. Ok, voilà. On peut casser avec cette arme, du coup. Et là, voilà, on a plusieurs armes. On en a 7 types, sachant que vous aurez, selon le type de personnage, selon le personnage, vous pourrez avoir des armes différentes. Donc là, player, on pourra aussi le renommer. Même si on n'a pas de compte, on peut le renommer, en fait. C'est juste, ça va pas sauvegarder nos exploits. Donc ça, c'est l'arme. L'arme ultime pour moi, que j'adore. Merde. Voilà, je l'ai tué. Parce que c'est une arme plutôt puissante. Voilà. Double shot avec. Bon, en vrai, il y en a une autre qui est plutôt puissante. C'est-à-dire que c'est celle-là. Celle-là, elle fait des bons dégâts quand même. Voilà. Headshot. Vous voyez, je lui fais deux coups aussi avec. Mais en vrai, celui-là est pas mal. Sauf que, ouais, quand même, en fait, avec celle-là, déjà, faut recharger à chaque fois. Avec la numéro 5, donc ça doit être un sniper, je crois. C'est faut recharger à chaque fois, donc ça, c'est embêtant. Ah non, en fait. Ok, ouais. Mais du coup, c'est un... Putain, voilà. C'est un peu géant. Mais on a du coup le numéro 7 qui est plutôt cool. Le 7, donc c'est du dégât vraiment très pur. Voilà, headshot. Donc le headshot, ça fait gagner plus de points. Là, on voit plus 18 sur sa carcasse. Qui disparaît juste après, du coup. Et hop, il faut pas être trop près vu qu'il y a notion de suicide. C'est-à-dire que... C'est comme dans la vraie vie, en vrai, avec une explosion. Voilà, je me suis suicidé, mais je l'ai tué. Voilà, par exemple, si on tire alors qu'il est trop près de nous avec cette arme, ça va faire un suicide. Alors qu'avec une arme qui n'est pas de ce type, donc il y a toutes les autres, en fait, quasiment. Aucune des autres n'est du même type. Voilà. Donc celle-là, c'est une arme... c'est une mitraillette, en fait. On peut mitrailler avec. Et on recharge automatiquement à chaque fois. On voit la barre ici, qui est la barre de l'arme, de vie de l'arme, donc de rechargement. Si vous prenez genre un élément, vous voyez genre par terre, là voilà. Ici, là, c'est par terre, là. C'est les endroits où vont spawn les armes au-dessus. Donc vous pouvez rester à côté et... Bon, je suis mort. Et du coup, trouver l'arme qu'il vous faut. Donc vous pouvez essayer de voir quelle arme vous préférez déjà aussi. On a en plus de celle-là, merde. Il a pris celle que je voulais vous montrer. Mais du coup, si on la retrouve, voilà, hop. D'ailleurs, pas obligé de forcément le toucher, l'alien, pour que ça lui fasse des dégâts. Si vous le touchez, avec le bazooka en tout cas, si ça touche un peu à côté, l'explosion va arriver sur lui. Bon là, je l'ai touché les pieds, mais sinon, l'explosion arrive sur lui direct. Donc, là... On va se faire une deuxième partie normale de la suite et ensuite je vais vous montrer l'autre type. Donc là, kill pour gagner. Ah non, quoique. Ok, je vais vous montrer direct la numéro 10. On a d'ailleurs avant les upgrades, vous gagnez des crédits en fait à chaque partie. Et vous pouvez, profil par exemple là, on peut acheter un personnage, un skin. Voilà, camouflage, soldier. C'est pas hyper cher en fait parce que là... Sans crédit à peine, mais au fur et à mesure des éléments, c'est de plus en plus cher. Voilà, j'ai quand même beaucoup d'éléments maintenant. Donc, ah, tiens, d'ailleurs, ça c'est un méchant aussi. Ça c'est un méchant que je vais vous montrer. Mais du coup, je vais peut-être schématiser en mettant un autre skin d'alien. Voilà, comme ça, vous allez bien pouvoir comprendre à quoi il ressemble. Et là, je vais me changer mon pseudo. Voilà, avec, on a nos stats ici, justement, en fait. Donc c'est dans profil. Là dans profil vous pouvez en même temps changer votre skin. Vous avez abilities. Donc là vous pouvez améliorer des éléments de vous. Donc make the wearer invisible for a short period. Donc ça c'est une capacité que certains des aliens ont sur le jeu en fait.
Dans, je crois que c'est dans une partie avant le, avant la partie numéro 10 que je vais vous montrer. Et vous pourrez faire des éléments comme ça. Donc là, usage F ou contrôle pour celui-là. Et c'est pareil pour ça en fait. Donc, on va pouvoir aller en jeu. Donc on va essayer avec, voilà, on l'a équipé. Ensuite, on a des armures ici, enfin des armes là. Vous pouvez changer le type déjà. Donc là, on a Golden Master pour le début. Ensuite, ici, particules canon par exemple. Bon, on a plus que 186. Et celui-là, on a vraiment des gros canons là. Donc, Grenade Launcher qui est un autre type quand même. Roquette est quand même pas mal en fait. J'ai pas testé Ice en vrai les autres. Je fais surtout avec le Rocket moi-même. Même avant, j'avais masse de crédit. Je débloquais pas tellement les autres là pour le Rocket. Par contre, pour celui-là, il y a celui-là, le Destroyer, qui envoie du feu, il me semble. Voilà, c'est celui qui... Ah non, c'est lui qui envoie le feu. Flamethrower, vous l'avez par défaut celui-là dans un des niveaux. Et sinon, vous avez celui-là en fait. Donc, on va aller faire le 10. Donc, le numéro 10, on a des aliens bien plus puissants. Donc là, avant, on a pu voir qu'on... bon, déjà, on avait des aliens qu'on tuait assez facilement quand même. Là, bon, déjà, il nous parle un peu. Là, il peut se téléporter comme il veut. Voilà. Et bon, j'ai quand même réussi à le tuer. Lui, il est quand même un peu plus résistant que les autres. C'est un seul, j'ai l'impression. Et en fait, il va pouvoir spawn à côté de vous, disparaître et tout. Donc moi aussi, je peux me mettre invisible en vrai, avec ma capacité. Mais bon, déjà, c'est pas hyper long, donc il faudrait voir si on peut l'améliorer. Mais... Voilà, là on a réussi à lui tirer dessus, c'est un peu galère en fait. On voit là 10, voilà, vas-y il meurt. 8 pour lui, donc il lui reste 8 vies, et moi il m'en reste 10. Bon, je vais pas... Merde, voilà, je vais pas me le faire vers le... Putain. Et du coup les vies arrivent ici, il y a une vie qui apparaît là, et de l'autre côté c'est symétrique, c'est pareil, voilà. Comme ça vous pouvez régénérer un peu, mais faites gaffe, il peut quand même spawn juste à côté de vous. Et si vous avez comme moi le Rocket Launcher, vous allez vous faire démonter quand même, parce que en fait, il va pouvoir vous faire un suicide sans le faire exprès et vous attaquer en même temps en fait. Vous pourrez pas l'attaquer si vous avez cette arme du coup, sinon ça fera un suicide pour vous. Voilà, c'est comme là, j'essaie de m'éloigner. Bon, j'ai plus que 9 vies. D'ailleurs, prenez pas trop la confiance non plus. Genre là, j'avais un certain nombre de vies d'avance, mais ça peut très vite se réduire l'écart. Même tout à l'heure, genre j'ai retenté, c'était un peu galère. J'ai mis pas mal de temps avant de réussir. Voilà, putain. Soit je suis mauvais, soit je sais pas, mais c'est un peu galère quand même. Donc on prend le numéro 7. Voilà, la 6. Je voulais vous montrer cette arme. Donc cette arme, voilà. Voilà, ça envoie ceci. Si c'est un lance-flamme, ça envoie les flammes à l'infini. Donc pour la version lance-flamme que je vous ai montré et que j'ai pas acheté. Mais sinon, voilà, vous avez cette version. Là, c'est des lasers carrément. Bon, il faut être assez proche pour que ça soit vraiment efficace. Sinon, de loin, ça fonctionne pas trop. Donc, on va rester avec notre bonne vieille arme. Voilà, tac, tac. Voilà, c'est bon, parfait. Je l'ai mis dans les pieds là aussi. Là, on a notre vie, 67%. Mais bon, on le sait un peu avec ce qu'on a là-haut, quoi. Là, bah, on a le nombre de munitions. 1, 2, 3. Et 35 crédits, je sais pas ce que c'est. Ça doit être combien on gagne dès qu'on tue un méchant avec. Alors, où est-ce que tu arrives? Oh putain, ça a rasé. Ça a frôlé le sol. Est-ce que vraiment il a eu le temps de s'échapper? Je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. J'ai pu, j'ai pu. Aïe. Il m'a tué avant que j'aie eu le temps. C'est un peu galère quand même de switcher entre les armes et en même temps le déplacement. Parce que les contrôles, j'ai pas trouvé comment les modifier. J'ai pas envie qu'il me tue là comme ça. Non, 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 oui, ok. Voilà. Oh, putain, quel salaud. Quel salaud. Vous avez des éléments de protection là, il y en a un qui spawn ici aussi. Qui vous permet bah, d'être un peu mieux protégé. Voilà, on a repris de la vie. C'est bon. On lui a un peu échappé. Mais je pense que c'est pas pour longtemps non plus. Voilà, il faut faire gaffe. Voilà, putain, c'est galère, c'est galère. Et puis dès que, forcément, dès qu'on fait nos roulades, dès qu'on saute, eh bien, du coup, pour viser, ça vise pas exactement là où on veut. Voilà, là ce que je vous ai montré, j'ai descendu d'une plateforme et là, je saute et ça me fait le même saut. Et d'ailleurs, ça fait même pas un... Ça nous fait pas rouler d'ailleurs. Donc c'est mieux quoi en fait.
Alors. Enfin, tout dépend de l'utilisation. Voilà. Toi, je t'ai mis un coup. Voilà, c'est bon, nickel. Un deuxième coup, on est à 6 partout. Est-ce que je vais réussir cette partie? Attention, le suspense est à son comble. Est-ce que je vais la réussir? Attention. Ah, je me suis suicidé en faisant un saut, je vous ai expliqué. Je vous avais prévenu. Et je suis tombé dans mon propre... piège, on va dire. Même si c'est pas un piège. Putain, voilà, je suis mort. Je voulais aller prendre des armes ou des vies de l'autre côté. Parce qu'on avait que dalle, là. Avec cette arme, d'ailleurs, là, c'est pas une arme mitraillette. Du coup, il faut rappeler plein de fois. Ça, bon, c'est assez efficace quand même. Mais je la conseille pas, vu qu'elle est pas tellement ouf non plus. Voilà, on va prendre cette arme. Tac, tac, tac. Allez, hop, headshot, parfait. Ok, plus 12. Bon, là, les points, on s'en fout des plus 12. Parce que là, c'est avec le nombre de vies qui nous reste. Il est juste là-haut. Je l'ai vu là-haut. Voilà, je l'ai entrevu là-haut. Ok. Voilà, parfait. On est 4 partout. 4 partout. Est-ce qu'on va gagner? D'ailleurs, là, on a les jauges aussi pour voir qui est le plus proche de la victoire. C'est pareil pour les points dès que c'est des parties à points. Et puis, vous pouvez essayer de gagner comme ça. Donc, je vais pas vous montrer la campagne Alien. Je vous montre juste certains niveaux. Et de toute façon, vous verrez sur la chaîne de Future Imaginity. Merde. Ok, vous verrez certains gameplays, voilà, donc soit avec son de notre part, avec commentary, soit sans commentary, ça sera peut-être juste avec la musique, parce que la musique ça va quand même, on peut mettre juste avec la musique, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Future Imaginity, je la mets directement en fiche pour la chaîne de Dargo. Oh, il a fait un suicide et... Je suis pas mort, par contre il faut faire gaffe. Parce que là j'ai pas envie de mourir très très bêtement. Genre il me faut de la vie là. Si t'as un truc de vie. D'ailleurs vos alliés peuvent voler la vie qu'il y a là. Donc faites gaffe. Et les ennemis je crois que c'est pareil. C'est un peu chiant de temps en temps. Genre hier je me suis fait avoir comme ça. Il y avait un allié qui m'avait pris de la vie alors que moi j'ai pas beaucoup de vie. J'ai vraiment pas beaucoup de vie. Donc les arènes, vous les utilisez à différents usages aussi. Il y a des arènes, vous pouvez les retrouver plusieurs fois entre plusieurs niveaux. Parce que ça sera le mode de jeu dessus qui va changer. J'ai envie de prendre ça. Là, il va pouvoir spawn devant moi. Mais est-ce qu'on peut se défendre? Je ne sais pas. Voilà. 3 éliminations. Il reste plus que 3. Le verdict. Attention. Vas-y, ramène-toi. Allez. Voilà. Merde. Ok, voilà, ça recharge. Ouais, non, c'est peut-être pas les... Si, ouais, c'est les recharges par élément. Ouh. Putain, non, il s'est barré. J'aurais pu l'avoir avec une roquette. J'aurais pu l'avoir avec une roquette. Non, il s'est téléporté à coup sûr. Ok. Il s'est téléporté. Est-ce qu'il y a moyen de prendre juste ça? Parce qu'en fait, il lui faut juste un coup, là. Un seul. Putain. Ouais, il faut bien le mettre. Il faut bien le mettre quand même. Voilà. Donc là, on a 4 avant de recharger. Voilà. Allez hop. Voilà, c'était mieux, ouais. Je me disais, c'était mieux avec. Voilà, on est... il lui reste 2 vies. Moi, il m'en reste 3. Mais il faut pas trop prendre la confiance, comme je l'ai dit. Donc là, bon... Je suis complet pour celle-là. Donc je vais pas chercher l'arme là. Ça me sert à rien. Même si lui, il peut la prendre aussi. Donc vos alliés peuvent aussi vous voler les armes. C'est des armes dispo pour tout le monde. Bon, on va essayer... Voilà. Non. J'avais plus rien, ok. Il régène ou pas, je sais pas. Je sais pas s'il peut régène. Voilà, on a ici le bouclier. Donc, on va le prendre. Ensuite, on a ça. Voilà. Voilà. Ok. Merde. Allez hop, dans les pieds, nickel. Putain, j'aurais pu me faire un suicide, mais là j'ai réussi à gérer le truc. Il a plus qu'une vie, j'en suis à 2 mois. Ok, il me faut des munitions en plus. Est-ce que, je sais pas si j'ai réussi à le toucher, parce que là il s'est téléporté en même temps quasiment. En même temps. Ok, vas-y, ramène-toi. Je veux. Et c'est un suicide, et c'est la victoire, bravo. Bravo, victoire à moi. Parce qu'il me restait quand même une vie.
Donc même si je me faisais un suicide, ça allait. Bon, j'ai pas essayé de faire volontairement un suicide, mais ça allait. Du coup, j'ai réussi à gagner du premier coup. Donc du premier coup en vidéo, j'ai pas fait de cut en vrai là. Donc je suis hyper content en vrai. Mais du coup voilà. Donc c'est la fin de cette présentation. Donc là on a les difficultés aussi par niveau. On est à pour celui-là, on est quand même un niveau au-dessus de même juste le niveau 12. Voilà, vous voyez, même juste celui-là, tout simplement, même les autres en fait. Les autres ils sont vraiment, ils sont plus bas déjà. Là niveau 1 et tout, et puis là on arrive le numéro 10. Niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niveau 7 sur 8 quand même. 7 sur 8. Bon, du coup, il y a le mode, comme je l'ai dit, le mode Quick Match. Donc là, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme point. Et démarrer avec des bots aussi, si vous voulez. Sinon, je crois qu'il y a le mode en multijoueur. Donc ça, il faudrait voir comment ça se fait. Il me semble, voilà, donc là on a les types aussi, les joueurs, non, peut-être pas qu'il y a un multijoueur, je sais pas, mais du coup vous pouvez jouer contre des monstres et vous entraîner là-dedans, donc voilà. C'est la fin de la vidéo, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros like, à vous abonner à Darkboy Future Imaginity si c'est pas déjà fait, donc il y a pour la chaîne Darkboy, il y a la chaîne Future Imaginity en fiche, et pour la chaîne Future Imaginity, il y a la chaîne Darkbo en fiche et qui va s'afficher à la fin de cette vidéo aussi. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Et moi, je vous dis à dimanche pour un nouveau jeu de la semaine, donc sur les deux chaînes. Celui-là, il était sorti un peu en retard, c'est pour ça qu'il sort aujourd'hui, donc ce mercredi. Mais sinon, il est censé sortir tous les dimanches matin à 9h. Donc n'hésitez pas à garder vos notifications activées et à regarder à 9h si ça sort, sinon on préviendra si c'est en retard. Et pour la chaîne Darkbo, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo de Future Imaginity. Tchuss !